Salut à toutes et à tous, ici Star Wars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Borné, qui va être mon caméraman tout au long de cette vidéo. Donc il va vous expliquer le concept tout simplement. Et bah je te laisse la parole, Borné. Alors le but, nous avons deux logos de marque. Là en l'occurrence Samsung. Et le but est de trouver lequel est le vrai et du coup lequel est le faux. Ok. D'accord, donc on a un logo Samsung. Allez, moi je dis celui du bas. Enfin, du monté, ils sont c'est de la merde. Donc on en a un. Celui d'en haut, ben, il a un, c'est un Samsung non. Avec écrit normalement. Avec un A normal, j'ai remarqué ici en bas le A. Il a pas de barre. Moi bon, j'irai celui du bas. Tu dirais celui du bas. Eh oui, effectivement, c'est celui du bas, bravo à toi, et tu gagnes rien. Deuxième logo, HP. Je vois pas la différence. Ah ok, si, c'est inversé. Oui, mais... c'est inversé. Alors du coup Je dis au plus celui de droite. Celui de droite. Donc qui a choisi celui de droite. La réponse est non. Non. C'était celui de gauche, malheureusement. Alors, le logo Puma. Moi, franchement, j'irais celui du bas. Ouais, moi aussi. Parce que c'est pas logique que le. Qu'il soit à gauche le lion. Ça se trouve, on se trompe totalement. Puis même, c'est pas. Ouais, non, c'est pas logique. La réponse, merde, c'est celui du haut. Pardon ? Mais c'est pas logique. Alors, Coca-Cola, est-ce que tu crois que y a une. Celui du haut. Y a une lichouille ? Bah, non, vraiment, non. Tu penses pas ? Ah, non, ça fait. Lequel ? C'est moche. Celui du bas ou celui du haut? Bah franchement celui du haut. Celui du haut? Moi je dis celui du bas. Alors, combien de thèmes de logo? Cinquième logo. Cinquième logo. Celui de Twitter. Lequel est le vrai, lequel est le faux? Moi je sais déjà. Alors celui avec l'œil ou celui sans œil? Du haut. Sans yeux. Merde. Franchement avec l'œil il est débile. Ah c'est qui? Bon celui de du coup, celui de sans œil. Franchement celui de droite. Eh bien tu avais raison. Merci. Je sais pas si on peut avoir une coupe là au montage. Non, ta gueule. Mais j'ai envie de faire tracking. Le logo Citroën. Oh non, putain, vous abusez là. Logo Citroën. J'adore rire. Mais je sais pas, ça ressemble à rien. Alors, tu penses lequel est le vrai? Lequel est le vrai? Moi, je pense que c'est le premier. Moi aussi. Tu penses que c'est le premier? Premier. Eh bien, par hasard, c'était le premier. Bah oui, bah tout simplement. Alors Burger King, est-ce que franchement? Moi je pense que c'est le premier parce que c'est trop chargé là, les lettres majuscules et Non, c'est pas le premier sur à 100%. Le deuxième parce que tu vois, si tu retournes, tu vois, moi je trouve ça plus propre, le deuxième. Je pense que c'est le deuxième. Ah oui. Putain, ça t'achète. C'est le. T'as gagné. Oh là là! Mais c'est pas logique parce que ça fait trop chargé avec le B et le K majuscule. Bah non. C'est bien, ça m'y va souvent. Mercedes. Merci. Alors, est-ce que Mercedes, c'est celui du haut ou celui du bas? Celui d'en bas, on dirait un peu un taureau si tu regardes bien. Non, on dirait la statue à Rio de Janeiro. Ah non, ouais. Non, on dirait un peu un logo hippie, celui du bas. Donc celui du haut ou celui du bas? Non, celui du haut, il fait plus un logo hippie, donc je dirais celui du bas. Je dirais celui du bas? Ah ouais. Hein. Bah c'est celui du haut. Mais moi j'aurais dit celui du haut hein, aussi. Ah pardon? Bah parce que c'est pas... Bah j'ai jamais vu une Mercedes comme ça, ça se peut pas. De la merde. Oh si ça c'est ça. Ariel, alors est-ce que c'est comme ça ou. Est-ce que c'est le Ariel? Ah mais vert non. Et le. C'est trop simple. C'est trop simple. C'est le vert. Donc ah. Moi c'est. Alors là je suis sûre. Ouais, moi aussi parce que là. Elle est mal faite là. La rouge, c'est bon, ça voit que ça a été photo. La rouge ouais c'est moche. Alors on part sur la première? Ouais la première. Bah c'est la première effectivement. Mais c'est trop simple, on a fait combien de fautes? Deux. T'as fait deux fautes? Moi j'en ai fait aucune. Si Burger King. Ah oui merde. Alors PayPal. Bon t'as pas de. J'ai pas de PayPal. Oh non c'est dur ça. Alors le premier ou le deuxième? Mais en vrai c'est pareil. Alors pas... c'est le PayPal. Le premier. J'ai pas de PayPal moi. Comme quand je. Le premier il est rouge moi, foncé. Moi je trouve. Mais t'es daltonien. Mais si il y a le premier. Non. Le premier est bleu foncé et le pâle est bleu pâle. Moi je dis bravo.
L'homme pâle. Tu veux... Moi je pense que c'est... Moi je pense que c'est le deuxième. Moi je veux que là maintenant. Je pense que c'est le deuxième. Ici là, moi je veux un extrait de vidéo de ma première vidéo. Là maintenant. Une nouvelle vidéo. C'est ma toute première en plus. Une vidéo sur Pierre Mitchell. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Alors premier ou le deuxième? Moi je pense que c'est le deuxième parce que c'est logique. Selon je dirais le premier moi. Paypal, le bleu pâle. Écoute, t'es prêt ou pas? Est-ce que c'est le premier ou le deuxième pour toi? Effectivement, c'est le premier, bravo. T'as pas gagné la World Cup, hein, tu peux revenir. Possèdes-tu Mais t'es des confettis, je suis trop fort. Possèdes-tu un Android? C'est quoi cet Android? Ah, c'est trop dur là. Comment tu... Y'a pas de différence? Fais voir. Est-ce que le Android est vert foncé ou vert clair? Non, y'a pas de vert foncé ou vert clair. Truc en bol. Le premier est vert foncé et l'autre est vert clair. Bon, c'est le premier. Mais c'est trop dur. Moi je pense que c'est le premier. Ouais, si je dis le deuxième. Le deuxième, je dis le deuxième. Bah après là si vous réussissez. Bah j'ai gagné, mais vraiment tu es trop fort. Pardon. Hein. Quand même, pardon, mais quelle est la différence? Mais c'est parce qu'il est plus foncé. Et il y a Android, des gens qui sont clairs dans leur tête. Mais ça marche. T'es con. Le logo fila. Est-ce que la barre du fila. Alors là je sais. Est-elle rouge ou non? C'est la question que je te pose aujourd'hui. Franchement, je suis d'en bas. Je le trouve pas bien. Et donc tu trouves que c'est celui d'en haut? Non, celui du bas. Moi je dis cash, celui du bas. Hein. Celui du bas, bon. Celui du bas? On part sur celui du bas. Je trouve que ça fait beaucoup plus symétrique dans l'art. Eh bien, l'art de vivre, t'es sûr? Oui. T'es sûr? Oui. Clairement sûr, bah c'est vrai. Quelle okay, bonne réponse. C'est un sans faute, à part 4 fautes. Mais bon, c'est pas grave. Passons au dernier. Le plus croustillant, j'ai envie de vous dire. Le croustillant, ça croustille. Le plus... Le biscuit non raciste. Pourquoi? Lui. Quel biscuit est non raciste? Possède à la fois une partie blanche et une partie noire. Lint. Mais c'est pas blanc. Mais. Je sais pas. Un gâteau connu qui possède une partie noire et une partie blanche. Et qui commence par O et se finit par Réo. Un Oreo. Effectivement. Donc lequel est le bon? Est-ce que c'est le Oreo? Quoi? Mais c'est trop dur! Mais non, parce que lui, genre le Oreo, il pointe vers le bas le premier et le deuxième il pointe vers le haut. Oui, je sais, mais c'est dur. Bah non, moi je dis cash sur le deuxième. C'est moche le premier. Le haut est dégueulasse. Moi je dis le premier. Tu dis le premier, je dis le deuxième. On part sur ça. Toi tu connais plus le Oreo que moi. J'ai surtout la réponse avant toi. Et c'est. Tu penses que t'as gagné ou tu penses que t'as perdu? Je pense que j'ai gagné. Tu penses que t'as gagné? C'est que tu es sûr de toi aussi, c'est bien. Mais dommage. Bon, moi t'auras gagné. Ouais. Bon bah les mecs, c'est déjà la fin de cette vidéo, je sais, c'est passé un peu vite, mais j'espère quand même qu'elle vous aura plu, c'était une petite vidéo détente qu'on a voulu se faire, donc vous aurez la chaîne du caméraman en description, allez vous abonner, et bah je vous dis pour une prochaine vidéo, allez, ciao. Ask me if I give a fuck about that.